que se passe-t-il? C'est moi. Tout va bien, tout va bien. Je suis là, je suis là. Tu calmes, tu calmes. Tout va bien, je suis maintenant là, bébé. Tu calmes. Tout va bien. Tu ne vas pas manger? Oui, oui, bien sûr. C'est exactement ce que je te dis. Je t'assure, merci. Je te dis que ce deal va être un truc de ouf. J'ai hâte d'avoir cette réunion. Beaucoup d'argent est impliqué. Oui, le plus tôt possible. Qu'en est-il d'aujourd'hui? On peut avoir cette réunion aujourd'hui, non? Oui, je n'ai vraiment pas le temps, mais organisons cette réunion. Salut, bébé. Au contraire, je crois qu'on devrait faire ainsi. Je te rappelle après, d'accord? Salut, chérie. Je vais bien. Chérie, qu'est-ce que t'es là? Alors, comment va le boulot? Le boulot va bien. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui était ravissante. Merci. Comment va le boulot? Eh bien, pareil, pareil. Je me fais de l'argent, comme d'habitude. Alors, as-tu parlé à ta femme? Oh. À propos de ça. Je suis... À moins que tu ne veux pas divorcer, n'est-ce pas? Non, pas vraiment, je... Et alors? Bébé, je n'ai pas encore fait de contrôle, d'accord? Fais-moi confiance, ça sera réglé vraiment, vraiment vite. Alors, j'aménage quand? T'en fais pas, il y a encore quelque chose à régler, puis tu pourras y aller. Tu sais, juste un peu de patience. Très bien. Tu sais, je n'attendrai pas pour toujours. D'accord. Alors, c'est là où est le piège. Je ne fais qu'énoncer les faits. Approche. Ouais. Quand tu dirais à ta femme? Voyons. Alors tu en auras plus. Voyons. Je suis partie. Ne fais pas ça. Dois-je reporter une réunion à cause de toi? Putain. Je n'arrive pas à croire que tu entends le dire. Qu'est-ce que je suis supposé faire? Je ne peux pas divorcer d'elle. Je suis supposé la laisser partir avec ma fille ou quoi? Enfin, si c'est quelqu'un de très important dans ta vie, tu ne peux juste pas la chasser de cette façon. Et comment est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu viens avec moi? Je veux dire, regarde Evelyn. Regarde-moi bien. On n'est même pas dans la même ligue. Tu peux la tirer vers le haut. Comment pourrais-je arrêter alors que je ne veux pas? Quel âge a votre fille? Je connais déjà la réponse à cette question. Elle a 14 ans. Et je n'ai même pas encore 30 ans. 32 ans, et alors? Ça veut dire qu'elle n'avait même pas encore 18 ans quand elle a eu l'enfant. Où est-ce que tu vas en venir, frérot? Ce que j'essaie de dire, c'est qu'elle a pratiquement sacrifié sa vie, afin que tu puisses construire ce que tu as maintenant. Et pour la remercier, tu voudrais la chasser de la maison juste comme ça, et lui prendre sa fille de cette façon. Qu'est-ce que tu racontes? Essaies-tu de dire qu'elle est en train de me faire une faveur? Dans le vrai sens des choses, je suis celui qui lui fait une faveur. Je l'ai ramassée dans la rue. Écoute, Harry, même ma mère n'avait pas à m'amener chez elle. Ça aurait été pire actuellement. Waouh. C'est ainsi que tu le vois? C'est exactement comment je vois ça.
J'ai perdu mon seul fils à cause de sa négligence. Il est tellement devenu inutile pour moi. Il ne peut même pas faire ce qu'il faut proprement. Tu sais, si tu n'étais pas mon ami, je dirais que tu es une mauvaise personne. Pourquoi voudrais-tu lui enlever son enfant? Tu sais quoi? À ce niveau, je n'ai pas besoin que tu sois mon ami. Je veux que tu sois mon avocat. Alors obtiens ce que je veux. Et en tant que ton avocat, je te dis que tu ne peux pas faire une telle chose. Pourquoi est-ce que tu voudrais lui enlever son enfant? Il m'a également pris mon fils. Je pense que tu devrais t'asseoir, ok? Et commencer à signer les papiers. Elle sera là dans quelques minutes. Harry, tu es là? Salut, comment vas-tu? Eh bien, tu m'as demandé de venir. Tu peux t'asseoir? Eh bien, il faudrait que tu signes ces papiers. Tu voudrais que je signe que je ne voudrais plus rien avoir à faire avec ma fille? Comment puis-je faire une telle connerie? Il y a 5 millions à la clé. Je te donnerai 5 millions de naira si tu signes ça. Tu es malade. Tu voudrais que je te vende ma fille? Voyons, bien sûr que c'est aussi ma fille. L'as-tu poussé à faire ça? Non, non, absolument pas. Toute cette idée venait de lui. Et c'est entièrement mon idée. Evelyn. Je n'ai pas envie que tu continues d'avoir une raison de débarquer dans ma vie juste après que nous ayons divorcé. Gabe, que se passe-t-il? Es-tu amoureux d'une autre femme? Je veux que tu saches que je ne te veux plus. Je veux être libre de ton inutilité. Je te veux hors de ma vie. 15 ans de mariage. Maintenant, tu me racontes ça? En 15 ans, les gens grandissent. Tout le monde. Sauf toi. Tu es resté la même. Rien de bon ne vient de toi. J'en ai marre de toi. Tu ne me prendras pas, ma fille. Quoi? Ah, rien. C'était juste beaucoup de tension. Je ne savais pas qu'elle pouvait être en feu comme ça. Elle est vraiment en feu, là. Vraiment? Tu ferais mieux de la convaincre de signer ses papiers. Sinon, je vais la détruire et lui enlever même ce qui lui reste. Mais voyons, qu'est-ce qui t'arrive, enfin? Rien. Attends, je crois que t'étais supposé la convaincre. Maintenant, tu peux partir quand tu veux. Il y a plusieurs choses qui nécessitent mon attention. Comment essaye-t-il de me prendre, ma fille? Tu dois prendre cet argent. Je ne fais que parler. Écoute, peux-tu la fermer? La fermer pour une fois? Écoute, je pense que tu devrais prendre un avocat. Oui. Je n'ai pas d'argent. Je ne pense pas que ça coûte autant pour te trouver un avocat. Je n'ai rien du tout. Ok, alors combien as-tu? Je n'ai pas de compte bancaire. Hein? Écoutez, ce n'était pas nécessaire, il me donnait tout ce que je voulais. J'imagine qu'il t'a convaincu que tu n'avais pas besoin de ça. Écoute, je suis vraiment désolée de ce qui t'arrive. Thank you.
Bébé? Oui. Je me disais que... Vu que Jerry fréquente déjà, peut-être je devrais... faire une formation. Pourquoi faire? Je veux dire, je subviens à tout ce dont tu as besoin. Je m'occupe de toutes les factures, alors pourquoi faire? C'est juste que... Je voudrais m'occuper, tu vois, un peu. J'irais, laisse-moi juste éclairer un peu sur ce point, hein. C'est environ 90% de ceux qui sont occupés, les gens que tu vois là dehors dans la rue, ne font absolument rien d'eux-mêmes. Ils ne font aucun profit. En fait, ils sont pratiquement une nuisance pour eux-mêmes. Mais... Qu'est-ce que tu vas comprendre que ce qu'on a ici est réel et l'apprécier? Oui, mais je veux... Je ne veux pas seulement rester à la maison nettoyer et cuisiner. J'aimerais apprendre quelque chose, même si c'est me servir d'un ordinateur. J'ai manqué quelque chose? Y a-t-il quelque chose dont tu as besoin que je ne t'ai pas offert? Non, pas du tout. Alors, c'est quoi tout ça? Je veux juste me sentir utile. Donc, tu veux me dire maintenant que tu ne te sens pas utile en t'occupant de mes enfants? Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je veux juste me faire mon propre argent. Et avoir mon propre compte bancaire. Chérie, viens. Viens là. Écoute. Ce qui m'appartient est à toi. T'as pas besoin d'un compte bancaire. Mon compte bancaire est le tien. Tout ce que je gagne t'appartient. Et si tu penses que t'es pas assez utile, en montant, que je te montre à quel point tu peux être utile. Mais bébé, je ne veux pas y penser. S'il te plaît. S'il te plaît. Vraiment? Et toutes les fois où je lui ai demandé de me payer une formation, il a toujours dit que je ne devrais pas. J'ai jamais pensé qu'il me ferait un truc pareil, j'étais amoureuse. Ce n'était pas de l'amour. Un homme qui t'aime pour de vrai voudrait que tu grandisses à ses côtés. Ok, alors que vais-je faire? Vu que tu n'as pas d'argent, tu dois juste prendre ce qu'il te propose. Sors là! N'ose plus me dire une telle chose. J'ai compris. Je dis juste ce que je pense. Dis-moi, qu'est-ce que je vais faire? Ok, écoute. Accorde-moi du temps, je penserai à quelque chose. Accorde-moi un peu de temps. C'est vraiment de trop, pas de compte bancaire. Oh mon Dieu. Laisse-moi y réfléchir, je te reviendrai. Demande-lui de prendre l'argent. Ah, j'ai l'affaire. Écoute, je ne les signerai pas. Donc aussi, tu vas le faire. Tu dois le signer. Tu vas aller voir Harry et signer ses papiers parce que tu ne sais pas de quoi je suis capable. Tout ce que j'ai fait, c'est de t'aimer. Qu'en est-il de moi? Je t'ai donné 15 ans de ma vie. Oui, mais Gabe. Mais quoi? Écoute, maintenant je veux quelque chose de différent. Hey, qui est-elle? Qui est cette femme qui te fait croire qu'elle est meilleure que moi? Qui te fait agir de cette façon? Même si tu devrais le savoir, il n'y a aucune femme. Je veux juste la liberté de ta part, et je l'aurai. Écoute, ceci arrivera. Que ça arrive dans la paix ou pas, le choix te revient. Mais Gabe... Thank you.
You call me out. Can't believe that you love. To believe that you... Salut, grand-mère. Salut, fiston. Mais sérieusement, grand-mère. Grand-mère, tu dois arrêter de renvoyer tes aides de maison comme ça. Vraiment? Oui, vraiment. Quand elle fornique tout le temps dans ma maison avec son copain. Écoute, je vais te dire quelque chose, mon enfant. Je suis vieille et non morte. Non, elle l'a pas fait. Elle l'a fait. Est-elle folle? Eh bien, peut-être qu'elle est nymphomane. Ah, grand-mère! Quoi? Quoi? Alors vous pouvez dire ce que vous voulez? Et moi, je ne peux pas dire ce que je pense? Ah, je n'ai rien entendu. Ah, grand-mère. En tout cas, je vais appeler l'agence pour qu'il puisse envoyer quelqu'un de plus responsable. Tu es jolie. Écoute, je te casserai le visage si tu touches. Essaye de te calmer. Si, attends. Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, qu'est-ce que tu fais? Et toi? Qu'est-ce que tu fais avec ma femme? Tu es malade? Lève-toi. Lève-toi avant que je ne te tue maintenant. Mais qui diable es-tu? Sors de chez moi. Tu peux imaginer ça? Hein? Incroyable. Donc c'est comme ça que tu couches avec n'importe qui entre chez moi? C'est ce gars dont je t'ai parlé et c'est toi qui m'as demandé de lui dire de t'attendre. Je m'en fous. Maintenant sors. Mais Gabe, il essayait de se forcer à moi. Je dis sors de ma maison maintenant. Gabe. Calme-toi. Harry. Mais allez, mec. Gabe, j'essayais de repousser ce gars. Sors de chez moi maintenant. Mais comment puis-je amener un homme dans la maison de mon mari? Mais calme-toi. Et mec. Kim. C'est quoi ces conneries? Tu imagines ce que ma fille a dû voir? Mais allez, mec. Doucement. Ok, calme-toi. Je suis désolé, mec. Elle dit t'avoir appelé. Et tu as demandé à ce que ce gars t'attende. Et alors? Alors, c'est un inconvénient. Es-tu sûr que tu n'as pas payé ce gars pour qu'il puisse piéger ta femme? Pourquoi penses-tu ça? Ah, s'il te plaît, épargne-moi de ce regard. Épargne-moi de ce regard innocent. Comment est-ce possible? Soudainement, il y a un mec qui t'attend ici à la maison. Soudainement, tu vas chercher ta fille à l'école. Hein? Voyons toutes ces choses. Mais allez. Ok, d'accord. Ok. Je voulais que Mirabelle voie sa mère dans une position compromise. Oh mon Dieu. Et c'est comme ça que j'aurai ma fille à mes côtés. C'est sa mère, nom de Dieu. Oui, je sais. Mais je ne veux plus qu'elle partage nos vies. Es-tu sûr que tu es en train de faire tout ceci à cause de Selena? Sacrifier ta famille sur un autel à cause de Selena? Tu n'as aucune idée, n'est-ce pas? J'aime cette fille. Je l'aime tellement. Tu dois être fou. Ok, oui, je le vois. Tu dois être fou. Tu le dis ou alors tu le veux. Va d'abord jeter un coup d'œil à ta fille que tu viens de traumatiser. Ma fille ira bien. J'ai fait tout ceci pour elle. Kebra. Les hommes sont vraiment méchants. Comment ce gars peut te faire une telle chose? Je te suggère de le tuer et aller en prison. As-tu un autre choix?
qu'est-ce qui arrivera à ma fille? Oui. Chola, je t'en prie, pour l'amour de Dieu, si tu n'as rien d'important à dire, s'il te plaît, boucle-la. Ok, je vais la sceller. Je ne tuerai personne. Bien sûr, tu ne vas pas le tuer. Mais c'est pas bien. Gabriel ne devrait pas me tenter. Il ne doit pas me tenter. Alors je dois partir sans rien dire. Quand j'ai rencontré Gabe, il n'était qu'un garçon à l'université. Je suis restée près de lui. Je prenais soin de la maison quand il se faisait cet argent. Je le sais, mais présentement, il est irraisonnable. Alors je devrais juste lui donner ce qu'il demande et lui rendre la vie meilleure. Mais qu'est-ce que tu voudrais faire? Tu n'as pas d'argent. Et je suis de ton côté ici, ok? Je ne fais que te conseiller, en tant qu'un ami. Ami? Oui. Peut-être si tu me parlais comme ta sœur, je pourrais peut-être écouter tes conseils. Ou bien, honnêtement, si je devais te parler en tant que ma sœur, je te conseillerais, non, je te supplierais de t'enfuir. Oui, tu n'as même pas encore 32 ans. Enfin, pourquoi est-ce que tu perds ton temps? Qu'essayes-tu de dire? Ce que j'essaye de dire, c'est pourquoi est-ce que tu perds ton temps dans un endroit où tu n'es pas désiré, quand tu peux être mieux apprécié ailleurs? Mais avec quoi? Et où? Mais allez, je sais que tu peux faire mieux que ça. Tu peux t'en sortir autrement. J'ai le droit sur son argent. Je ne te laisserai pas me dire le contraire. Écoute, dis à ton ami que je le combattrai. Penses-tu que je peux me trouver un avocat et lancer ce dossier sans argent? Je sais qu'il y en a qui sont presque commis d'office. La vérité, c'est que je n'en connais aucun. Mais que je ne peux pas perdre ma fille. Écoute, pour l'instant, tu dois te focaliser à te faire de l'argent. Lancer une petite affaire. Quand tu auras assez d'argent, tu pourras te battre pour ta fille. De combien ai-je besoin? Depuis que ton mari a commencé cette folie, il n'a pas eu l'intention de te donner un rang. Alors où nous en sommes? S'il est prêt à te donner 500 quais, je veux dire 500 000. Ma chérie, prends-les. 500 000. Je connais les hommes. Cet homme n'avait pas l'intention de te donner le simple 5 000. Et s'il refuse? Oh, fais-moi confiance, Yves. Espérons juste le meilleur. Ok? All my life, I gave it so we can be. Et est-ce que tu penses que c'est sage? Oui. Mon bébé. Je ne suis pas ton bébé. Mon ange, que se passe-t-il? Je ne suis pas ton ange, je te déteste. Mimi? Ne m'appelle pas, signe ces documents et laisse-nous tranquilles. Qu'est-ce que tu as dit à ma fille? Contrôle-toi, mais allez. Ai-je eu besoin de lui dire quelque chose? Elle est assez grande pour savoir quel genre de femme tu es devenue.
Maintenant, signe ces papiers. Que je donne tous les droits de ma fille à toi. Tu devrais d'abord me passer dessus. Evelyn, signe juste ces papiers. J'ai donné 15 ans de ma vie à cet homme. Alors je devrais tout laisser tomber. Evelyn, si tu quittes cet endroit avant d'avoir signé ces papiers, alors tu déclares la guerre entre toi et moi. Et tu me connais très bien. Je peux avoir tout ce que je veux. Fais ton possible. Evelyn. Tu aimes ta fille, n'est-ce pas? Oui. Signe ces papiers. Et partir sans rien. Signe ces papiers. Tu n'avais absolument rien quand je t'ai rencontré. J'étais une adolescente quand on s'est rencontrés. Gabe. Écoute. Tu t'en sortiras sans lui. Et tu t'en sortiras très bien sans son argent. Signe ces papiers, je t'en prie. Elle ne survivra pas. Sans moi, elle pourrait peut-être se tuer. Personne d'autre. Et en passant, tu dois tout d'abord bien lire avant de signer ces papiers. Ces papiers que tu signes, tu n'auras rien d'autre venant de moi. Alors tu peux t'étouffer avec ton argent. Oui. Maintenant je suis libre. Mimi, c'est moi. Hey. How are you? Et ça va. Tout va bien. Mais je voudrais aller avec elle. Ça va aller. Elle va bien. D'accord? Elle doit me détester. Ne dis pas ça. Écoute-moi. Si elle te détestait, elle aurait signé les papiers que ton père lui a donnés et serait partie avec l'argent. Elle ne les a pas signés. Bien sûr qu'elle l'a pas fait. Et ça parce qu'elle fera tout pour t'avoir à nouveau. D'accord? Mais elle n'a pas d'argent. Ah, oublie ça. Elle ira bien. Ok? Elle ira bien. Je dois partir maintenant. Ok, mais... Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. D'accord? D'accord, où est mon papa? Il est en bas. Tu iras bien. Promets-moi que tu iras bien. Evelyn, n'est qu'à ma propre fille me déteste. Comment? Il l'a retournée contre moi. S'il te plaît, arrête. Peut-être à cause de ce qu'elle t'a vu faire avec ce gars. Je n'ai pourtant rien fait. Je n'ai rien fait. J'essayais même de le repousser. Je ne ferai jamais une telle chose. C'est ce qu'elle pense. Ce qu'elle sait présentement et qu'elle t'a vu avec un autre homme. Je n'ai rien fait. Tout ira bien, Evelyn. Je n'ai rien fait. Tout ira bien. Arrête, ok?
Je ne ferai jamais une telle chose. Je te crois. Je te crois. Arrête. Arrête de pleurer. Can't you see it's going down? All my world is crashing down. Bonsoir, grand-mère. Salut, fiston. Ah. Ah. Tu as l'air d'un chiffon. Ah, c'est parce que je viens de découvrir combien peut être cruel un homme. Vu ton genre de boulot, ça ne devrait pas te surprendre. Grand-mère, voir ton ami devenir un monstre et faire du mal aux personnes à qui tu tiens, c'est très nouveau, ça. Un ami? Mais qui? Bref, et l'agence t'ont-ils appelé ou alors ils ont envoyé quelqu'un? Tu veux dire envoyer des gens avec un lot d'expérience et avec des attitudes suffisantes qui pensent qu'ils connaissent tout au sujet de la prise en charge. De toute façon, ce qu'ils ont fait, c'est ce dont j'ai besoin plus que ce que je fais. Car j'en ai vu plusieurs en ces quelques jours. Et tu n'as accepté personne d'entre eux? Harry. Grand-mère. Je vais bien toute seule. Non, tu ne vas pas bien toute seule. Mais mon infirmière vient me voir tous les deux jours. Tout peut virer au pire en une seule minute, grand-mère. Je dirais que je pourrais m'installer ici, mais en même temps... Oh, monter par-ci, par-là. Ton travail ne te le permet pas. Oui, tu as raison. Ok, peut-être je devrais juste les appeler pour qu'ils me disent... Pas de... cette agence. Mais quoi? Quoi? Je pense que je viens d'avoir une candidate parfaite pour toi. Qui? Cette aide de maison a plus besoin de toi que tu n'as besoin d'elle. Quel est ce genre d'aide de maison? Grand-mère, celle qui te fera te sentir encore utile. Je reviens. J'arrive. Vraiment? Harry... As-tu pris ton bain aujourd'hui? Evelyn, c'est à toi que je parle. Tu sais quoi? J'en ai marre de ces conneries. Lève-toi et va-t'en. Tu voudrais que je m'en aille? Non, je voudrais que tu te lèves et que tu te prennes en charge. Il t'a trahi? Et alors quoi? Es-tu la seule femme à traverser cela? Seras-tu la dernière? Je peux pas. Si je te donne cette baffe, ton cerveau se remettra en place. Il t'a demandé d'aller te suicider et tu veux lui faire plaisir. Mais que voudrais-tu que je fasse? Mon Dieu. Écoute, la seule revanche est que tu fasses quelque chose de ta vie. Deviens quelqu'un et prouve à ce monstre que tu peux devenir n'importe quoi sans lui. Comment? Je n'ai même pas mes Naira qui sont à moi. Mais tu as une vie. Alors c'est suffisant. Tu sais ce qu'on va faire maintenant? C'est de te lever, aller dans la salle de bain et prendre ton bain. Parce que tu pues. Ce n'est pas mon souci pour l'instant. J'ai dit que tu devrais faire quoi? Que je prenne un bain. Exactement. Alors, debout. Continue de le faire. Continue de bouger. Avance. Continue d'avancer. C'est bien. Dans la salle de bain. Prends tout ton temps. Crois-moi, tu iras mieux. Et personne ne veut m'employer sans aucune formation. Je téléporte, on dit. Écoute, je pense qu'à ce degré, tu dois entrer dans la rue et commencer quelque chose. Ok, obtenir l'argent d'où? Je penserai à quelque chose. Comment? Toi qui viens de dire que t'as pas assez d'argent pour ravitailler ton salon.
Je trouverai quelque chose pour toi. Ou elle peut travailler dans ton salon. Pour faire quoi? Elle peut faire n'importe quoi. Et en plus, nous sommes assez nombreuses. Pouvez-vous imaginer? C'est la deuxième fois que cette personne m'envoie ce faux message aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit? Une Caro est attendue à un entretien. Tu peux répondre à ce message en disant à cette personne que tu n'es pas cette Caro. Entretien d'embauche, qu'agent de boulot. Aide de maison. Aide de maison? Oui. La prise en charge, c'est là. Ma puce, tu peux y aller. Mais je ne suis pas cette Caro. Et en plus, je ne sais rien de ce que fait une aide de maison. N'importe quoi. En fait, tu t'occupes pratiquement de tes enfants. Alors, où est la différence de s'occuper de quelqu'un de plus âgé? Tu sais, tu peux le faire. C'est pas si difficile. Je pense qu'elle a raison. Je dois être d'accord avec elle cette fois. Elle a raison. Je peux vraiment le faire? Bien sûr que tu le veux. Je peux le faire, n'est-ce pas? Alors si ce boulot n'est plus disponible, il y a de cela 8 jours, peut-être Caro est allée prendre son boulot. Écoute, ce n'est pas possible que le même message continue d'arriver 2 fois par jour depuis 8 jours. C'est un signe que ce boulot est fait pour Evelyn. Laisse-moi voir l'adresse. Vas-y, tiens. Je peux pas faire ça. Je peux pas. Qui le sait? Tu dois essayer. Écoute, tu peux le faire. Crois-moi, tu peux le faire. C'est une très bonne opportunité. J'y serai. Bonsoir, madame. Oui, bon après-midi. Dis-tu que la raison pour laquelle tu es là est parce que quelqu'un a envoyé un message à un mauvais numéro? Oui, madame. Tu n'as jamais travaillé comme aide de maison auparavant? À part pour mes enfants. Des enfants? Bien, je me suis dit que s'occuper de quelqu'un n'est pas si différent qu'il s'agisse d'un adulte ou d'un enfant. Es-tu en train de me comparer à tes enfants? Non, du tout, madame. Bien, je ne peux pas. Ce que j'essaye de dire est que s'occuper d'un adulte n'est pas autant difficile, différent de s'occuper des enfants. Eh bien, à part que pour tes enfants, tu dois totalement t'en charger. Eh bien, parfois, oui. Avec moi? Tu devras totalement t'occuper de moi tout le temps. Pas exactement, madame. Pardon? Au cas où vous refusez de prendre vos médicaments, alors je dois complètement m'occuper de vous. De toute façon, remplis un de ces documents et commence le travail immédiatement. J'ai eu le boulot? As-tu vu quelqu'un d'autre ici qui veut faire ce boulot? Un instant, je vais te donner un avertissement. Ne pense pas que je ne te renverrai pas si je découvre que tu es incompétente. Merci de me madame. Remercier. Remplis ce formulaire et va à la cuisine. J'ai faim. D'accord, madame. Oui, madame. La cuisine. Merci beaucoup. Cette femme, elle m'étouffe. Mais le boulot met un toit sur ma tête et me donne de la nourriture gratuite. Oui, quand tu vas au marché, tu peux faire des épargnes pour lancer quelque chose. Si tu découvres qu'elle a un petit-fils riche pour que tu puisses le séduire et l'épouser. Je viendrai faire un tour là-bas. Ah, Chola. Tu es folle. Je sais. Je dois m'en aller. J'ai des provisions achetées au marché. Je vous vois plus tard. Bye bye. Ok.
Oh, elle va bien. C'est seulement moi où il y a quelque chose de louche dans ce boulot. Quoi? Écoute, personne ne t'emploierait sans aucune référence. Et cette femme l'a fait sans aucune. Tu es celle qui criait que... Oh, le message par erreur peut être message venant du ciel. Mais quoi? Je sais que j'ai dit ça. Et c'est peut-être vrai. Et j'espère que ça fonctionnera. Au moins tu as récupéré ta chambre. Mais c'était pas un problème. C'est faux. C'est une tonica. Mm-hmm. Écoute, c'est ça. Tu dois avoir un peu d'empathie parfois. Ah d'accord, je ne faisais que plaisanter. Que veux-tu dire par « tu ne peux pas cuisiner » ? Maman cuisinait pour nous. Tu y as 14 ans, vieille femme. Tu devrais savoir faire la cuisine. Mais tu es aussi une femme, tu dois savoir cuisiner. Et c'est à moi que tu parles ainsi. Écoute, je vois que tu n'as rien dans cette tête. Qu'est-ce que tu t'es fait ? Pourquoi me frappes-tu sur la tête ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Elle m'a frappée sur la tête. C'est faux. Elle me traite de briseuse de foyer. Quoi ? Mirabelle, excuse-toi. Quoi ? Je te demande de t'excuser maintenant. Mirabelle, je te parle. Mirabelle, c'est quoi tout ça? Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je ne sais pas pourquoi elle me déteste autant. Viens là. C'est pas comme si c'était de ma faute si je n'ai pas cuisiné ce qu'elle voulait. Ne pleure pas. Je vais lui parler, je te promets, ok? S'il te plaît, parle-lui. Je n'ai pas ce manque de respect. Je vais lui parler. Viens, allons dans la chambre. Ok. Viens. Tu verses des larmes sur mon repas, n'est-ce pas? Désolée. Tu es désolée. Les larmes n'ont jamais aidé qui que ce soit. Au lieu de pleurer, pourquoi ne te poses-tu pas la question? Qu'est-ce que je peux faire? Tu es là à verser des larmes inutiles. Hein? Il n'y a rien que je puisse faire. Il n'y a rien que tu puisses faire. Bien sûr, tu penses que tu ne peux rien faire à cause de ta paresse. Tu ne veux rien faire. Je ne suis pas paresseuse. Mon ami, verse tes larmes dans la bonne direction et non dans ma nourriture. Can't you see it's going down? All my world is crashing down. Can't you see it's crashing down? The sun is going down. Can't you see it's going down? Madame, je vais au marché. J'espère que tu ne vas pas là-bas pour pleurer, hein? J'essaierai de rentrer tôt à la maison. Non, prends tout ton temps. Je ne suis pas dans l'incapacité, ok? Allô? Allez, viens à la maison maintenant et sur le champ. Oui. D'accord, mon cher, ok.
Bien, oui, grand-mère, je dois, parce que je pense qu'elle... Elle penserait que je suis responsable des actions de son mari. J'ai jamais su que Gabriel était un imbécile. Grand-mère, tu dois aller doucement avec elle. Elle passe des moments difficiles. Harry? Oui, grand-mère. Elle a besoin de quelqu'un qui enlèvera cette stupidité d'elle. Grand-mère, elle n'a pas été stupide. Elle est juste naïve. Elle était naïve? Oui. Elle n'a même pas de compte bancaire. Même pas un compte bancaire. Et tu dis qu'elle n'est pas stupide? Elle fait juste partir de ces gens qui pensent que l'argent de son mari, c'est son argent aussi. Harry? Grand-mère? Tu peux t'en aller maintenant. Pourquoi, grand-mère? J'ai pensé que tu avais dit que tu ne voulais pas qu'elle sache quoi que ce soit. Oh oui, d'accord, c'est vrai. Mais il faut que tu sois gentil avec elle. Je serai gentil quand je le voudrai. Grand-mère? Harry, mon petit-fils. Grand-mère? Allez. Hors de ma maison. D'accord, grand-mère. À plus tard. Ouais. Mon amour. Je sais. Je vois un peu d'argent pour aller faire du shopping. Tu sais très bien que je n'aime pas ça, hein? Tu le sais bien. Je ne l'ai pas gaspillé, je l'ai dépensé sur mon apparence. Papa, mon argent de déjeuner. Oui, tu... T'en fais pas, je te donnerai l'argent des beignets. Papa, l'argent, s'il te plaît. Voyons, Mimi, hein? Fais-lui plaisir, d'accord? Elle veut juste être comme une mère pour toi. Mais j'ai pas besoin d'une mère. Peut-être ce dont tu as besoin, c'est une amie. Papa, l'argent, s'il te plaît. D'accord, je te donnerai l'argent quand tu seras dehors. Maintenant, allons-y. Donc... Bébé, tu ne peux pas t'en aller. J'ai une réunion très importante. Tu ne peux te permettre d'être en retard. Ouais, c'est vrai, mais... T'en fais pas, je l'amènerai à l'école. Vraiment? Oui. C'est vraiment cool de ta part. Merci de sauver ma journée, hein? Bien sûr. Viens là. Mmh. Et toi, petit démon, laisse tante Serena s'occuper de toi, d'accord? Papa t'aime. À tout à l'heure. Passe une bonne journée, d'accord. Bye. Bye, ne sois pas en retard. J'espère. Je t'aime. Viola, toi, ce mauvais esprit. Si tu me challenges dans cette maison, je te montrerai. Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, tout ce que je te demanderai de faire, tu dois le faire, tu m'entends? Et si je ne le fais pas, je le tuerai. Quoi? Oui, tu m'as comprise. Si tu me provoques ou si tu me tentes... Je le tue. Tu ne peux pas le tuer, tu l'aimes. L'aimer? Mon Dieu. Tu es autant stupide que l'est ta mère. Ne mentionne pas le nom de ma mère. Et si je le fais, que feras-tu? Pleurer? Hein? Si je te demande de faire quelque chose dans cette maison, rassure-toi de le faire, tu m'entends? Ne mets pas du sable dans mon tapis KO. Parce que j'essaye d'être ton amitié, tu te comportes comme une princesse ou une reine. Qui penses-tu être? Écoute, cette conversation est entre toi et moi si je l'entends de l'extérieur. Si quelqu'un est au courant de cet état-tête que nous avons, je nierai tout. Et imagine qui ton père croira. Toi. Je ne t'entends pas. Toi. Je ne t'entends pas. Toi. Mettez-vous pas à l'école, mon ami. Mon argent de déjeuner. Quel argent de déjeuner? Mais tu as dit à papa que tu me donneras cet argent. Je n'ai pas d'argent à te donner pour le déjeuner. Va-t'en. Mais j'ai pas pris mon petit déjeuner. Mon ami. Allez, va à l'école. Pourtant, tu as essayé de me menacer. Mais j'ai pas mangé. Ton papa t'en a empêché. Allez, sors et va à l'école. Sors de cette maison, espèce de parasite. Regardez-moi ça. N'importe quoi. Tu cherches le petit déjeuner et l'argent. N'importe quoi. Bibi, je t'apporte quelque chose à boire. Tu veux dire de l'alcool? Peut-être. Quelqu'un sera très saoul ce soir. Tu le sais très bien. Mirabelle, t'étais supposée être au lit. J'ai faim. Tu as faim? Comment ça tu as faim? Ça ne fait pas plus de 4 heures que tu as eu ton dernier repas.
J'ai encore faim. Mon cœur, retourne te coucher. Papa, je t'en prie. Bien sûr que oui, tu peux aller t'en servir. Bébé, comment peut-elle manger à 7 heures de la nuit? Non, pense-y, il ne se fait pas tard pour ça. Mais c'est pas bon. Tu as raison, chérie, mais il faut la laisser. Juste un peu. Mirabelle, ne sois pas un enfant gâté. Je suis sûre que tu ne voudrais pas que tes amis se mordent de toi quand tu prendras tous ces kilos. Manger tard n'est pas bon pour ta santé. Retourne te coucher, ok? Dors, tout ira bien. Je te promets, tu auras ton petit déjeuner prêt et chaud demain matin. Tout ira bien. Merci, chérie, de veiller ainsi sur Mirabelle. C'est rien, mon amour. Je ferai tout pour toi. Ouais. Alors, comme je disais tantôt... Hey, tu pleures à cause du film ou alors pour ta vie pathétique? Vous ne connaissez rien de ma vie. Mais elle est pathétique. Madame, vous ne savez rien de moi. Tu as dit que tu étais une mère. Où sont tes enfants? Hein? Mon fils est mort. Et ta fille ou alors tes filles, où sont-elles? Ma... fille est avec son père, mon mari. Ton mari? Mais où est ce soi-disant mari? Pourquoi est-ce que sa femme travaille en tant que ménagère pour moi? Ayez, toujours en larmes tout le temps. Hein? Il est mon ex-mari, nous sommes divorcés. Et tu continues de l'appeler ton mari? Non. Je déteste les femmes faibles. Hein? Et je suis sûre, tu dois être aussi une mère pathétique. Je suis une mère fabuleuse, pour votre information. Ah, essaye de te convaincre toi-même, et non moi. Pourquoi me détestez-vous? Ma chère, je n'ai pas de temps pour perdre mon énergie dans la haine. Alors qu'est-ce que vous voulez de moi? De le temps, tu parcours la maison avec un visage triste. Au lieu de transformer cette tristesse en énergie et te battre. Me battre? Savez-vous à quel point j'ai envie de me battre? Ma fille est la seule personne qui me reste. Mais je ne peux me battre sans argent. Tu n'as pas besoin d'argent. L'argent n'est pas le problème. Tu manques de connaissances. Je manque de connaissances? Oui, tu manques de connaissances. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que tu veux. Je sais ce que je veux. Je veux que ma fille me soit rendue. Et je voudrais que Gabriel paie pour tout ce qu'il m'a fait. C'est ce que je veux. Tu devras d'abord te convaincre. Avant de me convaincre, va me prendre un verre de jus. Je me rassurerai, je te secourrai pour que tu saches ce que tu veux. Je n'accepte pas les femmes faibles près de moi parce que je ne suis pas faible.
Désolée, maman. Je ne voulais pas le dire. C'est tonton qui m'a demandé de le dire. Il a fait ? Oui, j'ai entendu tantine Selina dire qu'elle te tuera. Et que si tu ne signes pas ces documents, elle te tuera. J'ai dû le faire, maman. Je suis désolée. Ça va, mon amour. Tu m'as sauvée. Je l'ai fait ? Oui. Et je t'aime énormément. Je t'aime. Tu me manques. Tu me manques aussi. Tu vas bien. Regarde-moi. Tu es malade? Tu as faim? Mirabelle. Je n'ai rien mangé depuis hier et tontine Selina a dit que si je le dis à quelqu'un, elle tuera papa. C'est si je ne le tue pas d'abord. Maman. Tu sais que ce n'est pas ce que je pense. Allons, je vais te trouver à manger. Ok. Comment Gay peut m'enlever mon enfant et être incapable de la nourrir? Mais tu dois te calmer. Ne me demande pas de me calmer. J'ai dû retrouver mon enfant dans la rue pour l'amener dans un restaurant pour qu'elle puisse manger. Un enfant que j'ai porté dans mes entrailles. Je t'en prie, tu dois vraiment te calmer. Je vais dire que tu ne peux pas réfléchir dans cet état. Je t'en prie. Alors si je ne l'avais pas vue dans la rue, elle serait retournée à la maison et restée toute la journée sans manger. Une petite fille de surcroît. Dans la maison de son père. Je t'en prie, calme-toi. Calme-toi. Pensons-y et trouvons un moyen de s'en sortir, je t'en prie. Comment peut-il être aussi négligent? Hein? Et même son avocat qui a promis de s'occuper de ma fille à ma place. Personne ne pourra protéger tes enfants à part toi. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour récupérer ma fille? Je ne sais pas. Liberté financière. Comment? Oh, s'il te plaît, assieds-toi. Donne des douleurs au cou. Evelyne? Madame, si l'occasion t'est donnée de devenir quelqu'un, je veux dire si tu as l'habileté et que tu veux faire quelque chose de tangible dans ta vie, qu'est-ce que ça peut être? Infirmière. Une infirmière? C'est ce que je voulais devenir. Très bien, tu dois trouver donc un truc à faire. Madame, je ne sais rien faire. Pense, pense, tu es bonne à quelque chose. Cuisiner, nettoyer. Cuisiner, nettoyer. Cuisiner, non. Nettoyer, oui. Nettoyer? Comment vais-je devenir financièrement libre en nettoyant? En devenant une nettoyeuse professionnelle. Vous voulez dire du genre? Vous voulez dire aller dans les bureaux pour nettoyer? Oh non, ils ne te donneront même pas la moitié de ce que je te donne donc. N'y pense même pas. Oh, je ne le savais pas. Pourquoi n'ouvrons-nous pas une petite agence de nettoyage pour toi? Je peux faire ça? Bien sûr. Pourquoi ne pas commencer par t'acheter un téléphone Android pour faire tes recherches et poster tes compétences? Je ne peux m'acheter un téléphone Android. Et si je t'achetais ce téléphone et que je commence à prélever un peu d'argent de ton salaire? Merci beaucoup, madame. Vous m'appréciez. Ne sois pas trop sûre de ça. Vous m'appréciez. Ou arrête de dire des conneries, va dire à mon chauffeur d'apprêter la voiture. Donne-moi mon bâton de soutien pour que je me lève.
Merci de m'avoir poussé à essayer de faire quelque chose. Et tu dois commencer à faire quelque chose à mon sujet. Ne sois pas stupide, va dire à mon chauffeur ce que je t'ai demandé de faire. Vous m'appréciez. Elle m'apprécie. I can see relief. Come and receive. Comment vous sentez-vous? Bien. Continue, je te dirai ce que je ressens. Oh, infirmière, vous êtes là. Sois la bienvenue. Comment tu vas? Comment se sent-elle? Elle va très bien. Prend-elle ses médicaments? Oui. Y a-t-il un problème? Non, pas vraiment. Rassure-toi qu'elle ne te fasse pas peur pour qu'elle puisse sauter les médicaments. Oh non, je m'occupe parfaitement de ça. Je vous renverrai toutes les deux. Et alors quoi? Qui s'occupera de toi par nous? Les gens m'adorent. Ils ont peur de vous. Oh! Ok, je dois aller me rafraîchir. J'espère que vous faites vos exercices. Je te gagnerai aujourd'hui. Oh, vraiment? Une autre. Tiens ça. Quoi? Oh. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, maman. Comment était votre journée? Elle m'a gardé compagnie. Maman, je vais partager tes flyers à l'école. Mes flyers. Ne sais-tu pas que tes amis se moqueront de toi que ta mère nettoie? Aussi longtemps que leurs parents t'emploieront et te paieront beaucoup d'argent, aucun service n'est à négliger. Tu es trop intelligente. Je suis fière de toi. Merci, bébé. Avez-vous mangé? Nous avons mangé. Grand-mère nous a fait à manger. Jeune femme, je vais te dire que je peux cuisiner mieux que tu ne sais le faire. Mimi, lève-toi, prends tes yeux, je te ramène à la maison. Jacob, grand-mère, je te vois demain. Ok, ma chère, j'attends ta visite. Ok? Viens, et allons-y. Bien.
Greg, je suis la gagnante. Cette femme est une envoyée de Dieu. En fait, tu es si chanceuse. La plupart des employeurs s'en foutent de ce que tu traverses. En fait, ce qui me surprend est que j'ai deux équipes qui travaillent avec moi. Deux personnes comme moi, petite Evelyne. Je les paye des salaires. Je n'arrive pas à y croire. Je te l'avais pourtant dit. Qui l'aurait cru? Et merci d'avoir toujours été là pour moi. Je sais que tu aurais fait pareil si j'étais à ta place. Alors, comment va ma Mimi? Mimi va bien. Elles ont presque terminé leur examen et après ça, ce sont les vacances. Et cela t'inquiète? Je ne voudrais pas que cette femme tue mon enfant. Allez, maintenant elle sait qu'elle ne doit pas affronter cette femme, elle doit juste garder son silence. Oh? Peut-être il est temps que je parle à un avocat. C'est une bonne idée. Alors, maintenant que tu nages dans du cash, va te prendre un avocat. Qu'est-ce que tu fais encore là? Allons-y. J'ai presque terminé. Attends, laisse-moi d'abord arranger ceci. Ok, je pense que j'ai terminé. Allons-y. Ah. Salut, grand-mère. Bonjour. Bonjour, mon fils. Ah, comment était ta nuit? Je suis vivante. Non, l'infirmière m'a dit que c'était pas bon. Je vis bien. Cette maladie ne peut pas me vaincre. C'est pas combien tu es forte. Est-ce la raison pour laquelle tu ne viens plus rendre visite à ta grand-mère récemment? Comment va Yves? Oh, elle est la raison pour laquelle tu refuses de venir saluer ta grand-mère mourante. Grand-mère, tu n'es pas mourante. Ce qui concerne Yves, elle est forte. Pourquoi tu ne veux pas lui dire la vérité? À propos de quoi? À notre sujet, à mon sujet, à ton sujet, au sujet de tes sentiments. Voyons, grand-mère, tu sais combien je me dis qu'elle... Elle pense que je suis responsable des actions de son mari. C'est pas possible que je le fasse, c'est pas facile. Mais ils ne sont plus mariés, ou bien? C'est pas facile, grand-mère. Pas du tout. Mon petit-fils. Te cacheras-tu pour toujours jusqu'à ce que quelqu'un d'autre attire son attention? T'as-t-elle dit qu'il y a quelqu'un d'autre? Vas-tu aller demander à cette infirmière ce qui la retient? Grand-mère. Tu as une douleur. Je ne sens aucune douleur. Va juste faire ce que je t'ai demandé de faire. Écoute, grand-mère, laisse-moi te dire la vérité. Il n'y a pas de mal à ce que tu acceptes que les gens t'aident. Mais... Ouais. Ok, tu ne veux pas aller l'appeler ou alors tu ne veux pas l'appeler? Ah non, non, c'est bon, je vais appeler. Je vais appeler. Tu fais ta petite maligne tout le temps. Toi, dis-lui ce que tu ressens. Si tu cesses de faire ta maligne, je lui dirai mes intentions. Mais, ouais. Ne fais pas, je le lui dirai à ta place. Tu as eu peur, n'est-ce pas? N'essaye même pas. Qu'est-ce que tu fais là? Salut. Qui t'a donné cette adresse? Non, mais voyons, calme-toi. Peut-on parler? Non, 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 viens, viens. Prends place. Ça ne dérangerait pas ma grand-mère. Qu'est-ce que tu viens de dire?
Madame Lydie est ta grand-mère ? J'ai bien peur que oui. Quoi ? Je le savais. La personne qui emploierait quelqu'un sans aucune référence. Mais pourquoi ? Pourquoi n'as-tu rien dit ? Bien, j'avais honte de faire partie de tout ça. Et je voulais juste que tu puisses t'en sortir toute seule, tu vois. Tu sais, tu pourrais être forte si tu t'en sortais de toi-même. Mais écoute, je n'ai rien fait. Tu as intervenu. Quoi ? Comment ai-je intervenu ? C'est toi qui es allé à l'interview. Tu as accepté de travailler pour ma grand-mère. Ce qui, en passant, n'est pas chose très facile. Elle est une dure à cuire. En fait, tu n'as pas idée du nombre d'aides avec qui elle a eu à bosser. Tu sais, avec l'expérience qu'elle a, elle a donné tout son possible pour que j'aille de l'avant. En effet, n'est-ce pas tout le monde qui a la patience de laisser passer un certain nombre de choses, tu sais. Merci pour les messages que tu as envoyés à mon ami. Oui. Ah, il n'y a pas de quoi, j'ai presque abandonné pour venir te voir face à face. Tu n'as pas à te sentir coupable. J'ai compris ce que tu as fait, ce que ton client voulait que tu fasses. Et merci d'avoir essayé de me sauver. Mimi m'a tout raconté. Oui, j'avais peur que cela te blesserait. Merci. Pas de quoi. Alors, je réfléchissais à comment j'allais te demander quelque chose. Aimerais-tu sortir avec moi ? Hmm ? Bien, ce que je demande, c'est aimerais-tu que je t'invite à sortir ? Harry ! Oui ? Tu es l'ami de mon mari. Ami de ton ex-mari. Et d'un côté, je me suis dissocié totalement de lui, après tout cet incident. Je suis flattée. Mais je sors juste d'un mariage de 15 ans. J'essaie encore de me retrouver. J'essaie de mettre mes pieds au sol. Alors sortir est loin de ma tête pour l'instant. Ok, je comprends. Je te comprends parfaitement. Ça va aller. J'aimerais juste que tu saches que je suis intéressé au cas où tu serais intéressé. Je garderai cela en tête. Bien. Et je vois que ton affaire de nettoyage marche bien. J'allais te demander comment tu étais au courant de ça, alors je me suis souvenu que ça sera une question stupide. Bien. C'est bien d'avoir tes amis qui s'associent de nous. Je sais. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Y a pas de quoi. Ok. J'ai du travail à faire. D'accord. Alors, je vais travailler. Ok. Hé, hey, bébé, quoi de neuf ? Comment tu vas, chérie ? Hey, qu'est-ce qui ne va pas ? Tout va bien ? Bébé, pourquoi tu ne veux pas m'épouser ? En fait, je suis enceinte de toi. Pourquoi ? On peut parler de cette conversation. Partout, partout, partout. Je l'ai dit, je ne suis juste pas encore prêt. Mais je suis enceinte de toi. Que veux-tu d'autre ? Je sais que tu m'aimes. Oh oui, je t'aime. Tu sais, je n'ai pas envie de reproduire les mêmes erreurs que j'ai commises quand j'étais jeune. Épouser ma petite amie juste parce qu'elle est enceinte de moi. J'ai juste envie de prendre mon temps. Alors qu'en est-il de moi et du bébé ? Tout va bien se passer, d'accord ? Je vais prendre soin de toi, prendre soin de notre bébé. Tout va bien se passer. Je pense juste qu'on ne se marie pas par nécessité. Bien au contraire, on se marie parce qu'on le veut vraiment.
Tu es toujours amoureux de ta femme. Pas moyen. Je ne suis pas amoureux d'elle. C'est de toi que je suis amoureux. Mais tu sais, comme je l'ai dit tantôt, crois-moi cette fois, s'il te plaît. Je ne te fais pas confiance. Ok, dis-moi donc ce que je peux faire pour que tu me fasses confiance. Peu importe, sauf que je t'épouse, bien sûr. Hein? Tu feras tout ce que je veux. N'importe quoi. Ok. J'aimerais que tu transfères 3 millions dans mon compte. De cette façon, je me sentirai en sécurité. Comme un signe de remerciement pour moi et mon bébé. Bébé, que se passe-t-il? 3 millions, n'est-ce pas? D'accord. Considère que c'est fait. Tu es sérieux? Ouais, je ferai n'importe quoi pour toi, chérie. Maintenant, je sais que tu es sérieux envers moi. Oui, bien sûr. Envers notre bébé. Viens là. Viens là. Merci. Alors, j'espère que maintenant tu es contente. Oui. Tu t'as rendue heureuse? Viens voir, Dada. Ça, c'est un film d'horreur que je suis en train de voir avant que tu n'arrives. Ouais, tu n'aimes pas ce genre de film. Non, bébé. Mais t'avais l'habitude d'en voir. C'était avant le bébé. Alors tout a changé maintenant, à cause de... Maintenant, j'attends un petit être. Oh mon Dieu. Peux-tu manger quelque chose? Oh oui, je veux de la viande. La viande. Dosé. Viens, s'il te plaît. Tu veux la viande frite ou alors le poulet frit? De la viande frite. La viande frite, d'accord. Dosé. Oui, monsieur. S'il te plaît, regarde dans le frigo. Apporte-nous du bœuf frais. Et que ce soit très bon. D'accord, monsieur. Pas d'erreur, ok? D'accord, monsieur. Pour mon bébé, elle veut quelque chose de bon. Et puis n'oublie pas de nous apporter les oranges. Merci. D'accord. Juste pour toi. Oui. J'arrive. Ah. Qu'est-ce que tu fais là? J'espère que personne ne t'a vu. Ah. Ah. Bébé, pourquoi m'as-tu seulement envoyé 300 000 naira? Tu dis seulement? 300 000? C'est tout ce qu'il m'a donné. Je te les ai envoyés pour que tu payes certaines de tes dettes. Paye tes dettes, ne te sers pas de ça pour jouer à la loterie ou un truc stupide. Ne me mens pas. Je mens pas. Vaut mieux que tu fasses ce pourquoi tu es ici et tu t'en vas. Je vais pas le tuer. Je vais l'épouser pour de vrai. Que viens-tu de dire? Tu m'as très bien entendu. Écoute, si je le tue... L'un d'entre nous se mettra sûrement dans des problèmes. C'est mieux que je l'épouse de cette façon. J'aurai accès à toutes ses ressources et je pourrai m'occuper de nous deux. Je pense que tu as raison. Tu vois pourquoi je t'aime. Tu es vraiment intelligente. Mais tu me manques en tout cas. Tu me manques aussi. Bébé, tu vois pourquoi je t'ai demandé de ne pas venir? Je t'ai demandé de ne pas venir ici! Alors après tu viens vers moi, c'est simple. Si Mohamed ne va pas à la montagne viendra à Mohamed. Sans problème, je viendrai te voir, va-t'en. Et si tu ne viens pas, je reviendrai ici. Je viendrai, je te promets, je viendrai te voir. S'il te plaît. Tu m'arrêtes encore? C'est quoi ton problème? Va-t'en. Mon Dieu. J'espère que cette fille stupide ne me mettra pas dans des problèmes. Hey. Hey. Ah. Oui. Que se passe-t-il dans cette maison? Hein? Pourquoi c'est sale partout? Regardez cette maison et il y a... Deux jeunes femmes dans cette maison, regardez comment c'est sale partout. Hé! Ah!
Oh mon Dieu, je suis allergique à tant de poussière. Ngozi? Madame? Ngozi, qu'est-ce que tu fais? J'ai pris les vêtements pour les laver dehors, madame. As-tu nettoyé cette maison? Oui, madame. As-tu dépoussiéré ce salon? Oui, madame, je l'ai fait. Je vois de la poussière partout. Ne sais-tu pas que mon bébé est allergique à la poussière? Je suis désolée, madame. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et où est cette Mirabelle? Je sais pas. Mirabelle? Mirabelle! Que fais-tu là-bas? Combien de fois dois-je t'appeler avant que tu ne me répondes? Désolée. Désolée pour ta grosse tête. Viens là, mon ami. Dois-je t'appeler un million de fois avant que tu ne me répondes? Ne t'ai-je pas demandé de venir? Approche. Si je viens vers toi, tu comprendras. Qu'est-ce que tu fais encore là-bas? Je lave les toilettes que tu m'as demandé de laver. Depuis l'année dernière, je lave encore les toilettes? C'est quoi ce genre de paresse, en fait? Va te reposer. Mais madame, je n'ai encore rien fait. Je viens de rentrer de là où vous m'avez envoyé. Quelque chose ne va pas chez toi? On dirait que tu n'aimes pas ton travail. Non, 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 je te renverrai si c'est ce que tu veux. Je suis désolée, madame. Je t'ai dit d'aller te reposer. Merci, madame. Rassure-toi de laver ces toilettes et que je puisse voir mes dents quand je regarde au travers. Et je voudrais que tu prennes ces travaux. Et je voudrais que tu fasses tout cela en 30 minutes. Tente-moi pour voir et ne termine pas ça en 30 minutes. Tu verras ce que je te ferai. Et tu penses que je te laisserai? Hein? Je sais que quand l'école commencera, tu t'y serviras comme excuse pour ne rien faire. Ces deux prochaines semaines, j'en découdrai avec toi. Et quand j'aurai terminé avec toi... Hé, mon Dieu! Tu verras rouge. Tu supplieras ta inutile et stupide mère de venir te chercher. Ça, si elle est encore en vie. Puis-je m'en aller? N'y va pas, vagabonde. Viens, viens te tenir sur ma tête. Viens sauter sur ma tête. N'importe quoi. Dégage d'ici, fille stupide. Imbécile comme sa mère. Ah, bébé, tu as faim? Wow, tu es magnifique. Merci. On peut? Bien sûr. Oh, elle ne sait même pas servir à table. Elle me sert à manger comme si j'étais un chien. Mirabelle! Mirabelle! Viens là, viens là! J'ai dit, viens là! Viens là! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es folle? Madame, vous voulez la tuer? Que veux-tu dire par là? Laisse-moi la tuer! Laisse-la mourir! Rana, tu veux me tuer? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux la tuer? Regarde ce qu'elle a cuisiné pour moi! Regarde autant de piment qu'elle a mis! Vraiment? Oui! Et quand est-ce qu'elle est devenue ta cuisinière? Alors? Attends! Est-ce un crime pour qu'elle fasse à manger pour moi? Ce n'est pas ce que je dis, mais le simple fait que tu l'as fait. Et bébé, tu lui en demandes trop! Et même la Sainte Bible me dit que tu dois donner des règles à tes enfants! Je sais ce que la Bible dit! Est-ce mal de ma part de la discipliner? Ce n'est pas ça, mais sa mère l'a juste habituée à manger et elle aime beaucoup de piment. Tout ce que tu vas lui dire, c'est de diminuer la quantité de piment. Hey! Hein? Célina, tu souffres. Hey, tu souffres dans ce monde, alors tu prends sans parti que du mien. Tu prends sans parti que parti. Du mien. Ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ça va aller. Ça va aller. Oh, stupide. Si tu savais ce qu'elle fait à ta fille, tu la tuerais. C'est pour la ça.
Je mangerai ce piment ainsi. C'est beau. Je mangerai tout ça. Tu ne veux plus manger, c'est ça? Je mangerai. Y a-t-il autre chose que je peux apporter pour toi? Hein? C'est quoi? Laisse-moi juste te trouver autre chose à manger, puis je te rejoins pour qu'on mange. Sans problème. Fille du ciel. Evelyne, bonsoir madame. Ma chère, comment tu vas? Je vais bien, merci. Evelyne? Oui, maman. Puis-je te poser une question? Oui. Veux-tu épouser mon petit-fils? Écoutez, il ne me l'a pas encore demandé. S'il te le demande, le feras-tu? Je ne sais pas. Tu y as toujours peur? Il est quelqu'un de bien. C'est juste que mon cœur n'est pas prêt pour le mariage pour l'instant. Allô, Mimi? Hey! Calme-toi. Mimi, je ne pourrai pas t'entendre si tu ne parles pas. Elle a fait quoi? J'arrive. Je viens te prendre. Et tu jures que ces gens devront me tuer aujourd'hui. Va la chercher, va la chercher. Va la chercher. Ah. Rosette. Il va là. Mais qui cogne ma porte comme ça? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Où est ma fille? Attends. D'où est-ce que tu sors habillée comme ça? Ah, t'avais un rencard avec ton mec, hein? Gabriel, où est ma fille? Maman. Regarde! Mirabelle! Tu me manques aussi! Mirabelle, t'as appelé ta mère parce que tante Serena a essayé de te corriger? Bébé, je te l'ai pas entendu. Allez, va prendre tes effets. Non, tu ne prendras pas ma fille. Essaye de m'en empêcher. Tu as dit que j'étais une maman incompétente, n'est-ce pas? Maintenant, tu permets à des sorcières de punir ton enfant derrière ton dos. Non, ce n'est pas ce que tu crois, c'est juste un malentendu. Tu me fais honte. Si je m'étais éloignée comme tu le voulais, elle serait morte de faim. Quoi? C'est pas vrai, elle ment. Ta chance est que tu es enceinte, je t'aurais donné la bastonnade que tu mérites. N'est-ce pas, tu portes le tien? Quand elle ou il viendra au monde, nourris-le une fois en deux jours parce que les enfants meurent de faim dans le monde. Quoi? En deux jours? De quoi est-ce qu'elle parle? Bébé, je ne sais pas de quoi elle parle. Attends, où est-ce que tu vas avec ma fille? Je te vois devant la cour. Au tribunal? Mais qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que c'est vrai? Bébé, de quoi est-ce qu'elle parle? Tu les reverras devant la cour, tout va bien. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille pendant deux jours? J'ai semé le trouble entre nous, c'est pas vrai. Mais pourquoi est-ce que Mirabelle a appelé alors que je crois que Mirabelle a dit... Oh. Est-ce que tu vas bien? Bébé, tout va bien? Bébé, je me sens juste un peu agitée. Parle avec ta soeur, je vais appeler le docteur. Tu sais que notre bébé n'aime pas le stress. Ça va aller. Il n'aime pas que Ok, détends-toi, d'accord? Je vais appeler le docteur. Bébé, pas besoin d'appeler le docteur, j'ai juste besoin de massage. Alors comme ça, je ne dois plus appeler le docteur? Mais ça ira, n'est-ce pas? Oui. Ok, donc... Alors chérie, comment va le bébé? Le bébé a juste besoin de calme. D'accord, c'est génial. Désolé pour ça, j'en finirai avec cette pimpèche, ok? Exactement. Alors sache que ceci n'arrivera plus jamais. Grand-mère, ma mère lui a dit comment as-tu osé toucher à mon bébé? Si tu n'étais pas enceinte, je t'aurais copieusement bastonné. Que fais-tu ici? Grand-mère m'a appelé. Est-ce que ça va? Tout va bien?
T'a-t-elle frappé? Ma maman était tendue comme une lionne. Ah, ah, vraiment? Elle était adorable. Avec qui te battais-tu? N'écoutez pas Mimi, elle ne fait que déranger. Tonton Harry, je t'assure, au point où papa avait peur. Eh bien, il ferait mieux d'avoir peur parce que personne ne touche à mon enfant. Oui, ma mère est une femme superbe. Jeune fille, tu peux monter maintenant. Super conteuse d'histoire. Comment vas-tu? Ça va? Ah, alors, qui t'enseigne le karaté? N'écoute pas Mimi, je t'assure. J'aimerais me focaliser sur ma fille. D'accord, c'est compris. Merci. Alors, tu es maintenant prête à affronter le monde, hein? Je me sens prête. Je sais que tu es prête. Bébé, je suis à la maison. Quoi? Bébé, pourquoi tu jettes mon pied de cette façon? Toi encore? Toi? Bébé, tu n'es pas supposé. Qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais dans ma propre maison? Qu'est-ce que tu fais avec cet idiot? Bébé, dans ma chambre. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que tu c'est penses. C'est pas ce que je pense. Ok. Oui. Attends juste. Non. Attends, j'arrive. Mon Dieu. Sors de chez moi. Tu calmes. Je vais en finir avec toi. Qu'en est-il de ton enfant? Gab. Lève-toi. Gab. Écoute-moi, je t'en prie. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Ne fais pas ça, je t'en prie. Pense en moi, son bébé. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh mon Dieu. Evelyne. Oh mon Dieu. Evelyne. Evelyne. I'll be calling you out. Yes, she let me go. All my life, I gave it so we can be. Now sun is down. I'm standing in the rain on my own. All my life, I gave it so we can be. Now sun is down, I'm standing in the rain on my own. Oh, the sun is going down. Can't you see it's going down? Oui, un instant, j'arrive. J'ai dit un instant, j'arrive. It's crashing down. Crashing down. In the deep of the night, you were calling me out. Bonjour, maman. J'espère que personne ne s'est perdu en venant ici. Maman, je sais que j'ai été tellement occupée. Je suis vraiment désolé, mais j'ai été occupé ces derniers jours. Ouais. Occupé entre ton divorce et ta nouvelle femme. Je suis au courant de tout, hein? Je suis venu voir si Harry est ici. Je l'ai appelé, je lui ai même envoyé des textos, mais elle n'y répond pas. Je me suis arrêté à son bureau.
et sa secrétaire m'a dit qu'il n'est pas dans la ville. J'espère que tout va bien. Oh, je ne peux pas dire que tout va bien. Je veux juste que tu essaies de joindre Harry et pour lui dire qu'il décroche son téléphone. Je veux qu'il me dise où se trouve ma femme. Ta femme? Laquelle des deux? Bah, maman, mais Evelyne, bien sûr. Evelyne? Bien sûr que oui, Evelyne, celle que tu connais. Maman, je sais que j'ai fait des erreurs, d'accord? Ce que j'ai fait est terrible, je veux dire une très terrible erreur. Mais j'ai réalisé et je veux la récupérer. Grand-mère? Nous... Mirabelle? Bon après-midi, papa. Qu'est-ce que tu fais ici? Evelyne? Mimi, remonte, va dans ta chambre. Chambre? Maman, maintenant, elle vit avec toi? Battu! Maman, tu m'as donné l'expression que tu ne savais rien. Gabriel, qu'est-ce que tu fais là? Écoute, Evelyne. Je suis tellement désolé, je sais que je t'ai maltraité. S'il te plaît. Relève-toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Céline t'a laissé tomber? Non, bien sûr que non, elle ne peut pas me jeter. C'est toi que j'ai toujours aimé. Mais bien sûr que oui, c'est toi que j'aime. Tout d'abord, relève-toi. Si tu ne te relèves pas, je remonte dans ma chambre. Ok, d'accord, je me lève. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire cette fois? Bébé, je sais que j'ai tout foutu en l'air. J'ai tout foutu en l'air. Bébé, je veux juste que tu cherches une place dans ton cœur pour me pardonner. Ok, s'il te plaît. Gabe, nous sommes divorcés. Oui, je sais qu'on divorce, mais je peux t'épouser à nouveau. Je suis prêt à tout faire, juste dis-le, demande tout ce que tu veux et je le ferai. Demande n'importe quoi. Oui. Je ne suis pas cette femme faible que tu as mise hors de ta maison comme une mauvaise habitude. Je ne suis pas cette femme qui était moins sûre d'elle, qui n'était pas sûre d'elle. Je ne le suis plus. Je suis désolé, d'accord? Je m'en fous de tout ce qui est en train de se passer. Tout ce que je veux, c'est juste que tu rentres. Je t'aime. Tu m'aimes? Gabe, j'étais quelqu'un de meilleur le jour que je t'ai rencontré que du jour où je t'ai quitté. Non, ne dis pas ça. J'avais 17 ans. Une adolescente qui a perdu ses deux parents et qui n'a personne au monde qui se soucie d'elle. Grâce à Dieu, ta mère m'a prise comme une ménagère. Mais après que tu m'aies mise enceinte... Elle a insisté qu'on se marie, n'est-ce pas? Je t'ai aimé de toutes les façons, n'est-ce pas? Et je t'aime toujours. J'étais naïve. Oui, j'avais de l'espoir et je comptais sur toi. Mais tu vois ce jour où tu m'as jeté dehors? J'étais dévastée et je n'avais rien sur quoi compter. Je sais. Je t'ai fait tellement de mal et j'en suis désolé. Je suis tellement désolé, j'espère juste que tu pourras... Laissez passer ça et me pardonner. Tu pardonner? Gabriel, j'ai perdu mon enfant. La seule chose dont j'ai toujours eu besoin était que tu sois là. Et me réconforter. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu es sorti aller retrouver le réconfort dans les bras d'une autre femme. Je sais que je t'ai blessé, mais peux-tu juste mettre ça derrière nous? Gabriel, tu es incroyable. Pardon? Peux-tu le reconsidérer, s'il te plaît? C'était juste... Je t'ai donné 15 années de ma vie. Présentement, même une seconde, je ne peux plus t'en donner. Sois pas comme ça. Non. Ah, Harry? Qu'est-ce qui va pas ici? Mais bon Dieu, je t'ai cherché partout. De toute façon, je suis content que tu sois là. Il faut que tu parles à Evelyne. Dis-lui combien de fois je l'aime. Combien je veux que tu rentres bien. J'allais t'appeler. Oh, c'est vrai. Quoi? Comment oses-tu dire telle chose? Que veux-tu dire par là? Harry. Ouais. Tu m'as arraché ma femme? Oh, arrête-toi là. Arrête-toi juste là. Souviens-toi que tu m'avais dit que je pouvais aller faire ce que bon me semblait avec elle. Quand tu l'as chassée. Mais tu es supposé être mon meilleur ami, Harry. Laisse-moi te dire quelque chose.
Parfois, quand les choses sont ainsi, Harry, il faut être indifférent et ne pas te préoccuper. Arrêtez! Je vais te blesser, tu sais. Mais qui crois-tu être? Tout va bien chez toi. Mais qu'est-ce que tu fais avec ma femme? Comment tu as eu cette audacité de me pousser? Tu as osé me poser des mains sur moi. Tu es un traître. Qu'est-ce qui se passe? Tu as osé me pousser? Qui es-tu? Grand-mère. Maman. Dans ma maison. Non. Maman. Attends. Maman. Allez, dégage d'ici. Maman, du calme. Calme-toi. Grosse merde. Dans ma maison. Tu calmes. Grand-mère, c'est bon. Grand-mère, c'est bon. Je dis calme-toi. Tu connais ton état. Calme-toi. Ça va. C'est bon. Calme-toi. Que je ne revois plus jamais ici. Ça va. Vas-y, essaye de t'asseoir. Ça va. Hein? Il t'embêtera plus. Ok? D'accord. Allez. Je m'occupe de la scolarité de ma fille. Mais voyons, Evelyne, c'est aussi ma fille. Je m'en fous. Je me battrai jusqu'à la fin. Et je te promets que je te gagnerai. Mon amour, calme-toi. Voilà. Quoi? J'ai vu la garde. En semaine, et elle, le week-end. J'imagine qu'on se voit devant la cour. Écoute, je n'ai pas voulu qu'on se traîne au tribunal. Mais si c'est ce que tu veux, que cela soit ainsi. Je veux aussi les vacances. Non. Certains jours de congé. Harry, non. Harry, sois gracieuse. Très bien. Certains congés, mais je déciderai. Tu devrais aussi inclure toutes les dépenses de notre fille, même quand elle est avec toi. Je peux très bien m'occuper de ma fille. Merci beaucoup. Evelyne, pense-y. Tu ne devrais pas permettre que ton petit ami utilise son argent. C'est notre fille. Elle peut prendre soin de son enfant sans mon aide. Vraiment? Comment? Signe juste le papier. Ah, comprenons juste que j'accepte. Voilà ma carte, au cas où tu as besoin de mes services. Service de nettoyage? Oui, c'est la seule chose à laquelle tu t'es rassuré que je sois bonne.